Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, je vous fais une petite guidance pour vous donner un petit peu les messages des guides qu'ils ont à vous faire passer pour les âmes éternelles. Allez, les guides de lumière, quel message avez-vous à donner pour les personnes qui ont regardé cette guidance? Alors, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez, voilà. Donc voilà, je demande les messages pour les âmes éternelles juste avant de passer en 2020. Voilà, que doit-on dire aux âmes jumelles, aux âmes éternelles, pardon, aux âmes éternelles, voilà, pour ce début d'année, cette fin d'année, que va-t-il se passer? Ok. Alors là, on parle donc de couples d'âmes éternelles qui ont retrouvé une santé. Il y a une santé qui a été retrouvée du cœur. Il y a eu une guérison du cœur aussi qui a été faite. Voilà. Donc là, je ressens voilà, des hommes, des femmes qui se sentent mieux, qui se sentent légers, qui ont le sourire. Ouais. On me parle qu'autour autour de ces couples d'âmes éternelles qu'il y a eu des énergies tierces. Hein. À cause de ces énergies tierces pour ces hommes et ces femmes, vous avez perdu un peu la santé. Ça vous a fait perdre complètement la santé. Vous avez eu besoin de guérison. Donc voilà, le Tout-Puissant, les guides, les anges gardiens vous ont guéri hein, de ces énergies tierces. Voilà. Donc, énergie tierce, hein, ça peut être professionnel, amical, ça peut être amical, sentimental, professionnel, familial. Voilà, ça peut être plein de choses. Une situation aussi, ça peut être une situation. Hein. Voilà, faut pas entendre par énergie tierce que c'est pas forcément un autre homme ou une autre femme, hein, c'est plein de choses. Voilà, et on me dit que voilà, pour ces âmes éternelles, pour cette fin d'année, début d'année, vous avez guéri toutes vos blessures. Hein, voilà, toutes les blessures sont guéries. Que ça y est, vous avez un pied dans la spiritualité. Que votre spiritualité aussi vous a aidé à travailler sur ces énergies tierces et la spiritualité vous a aidé à retrouver une santé, une très bonne santé, une bonne santé et une guérison totale. Hein. Psychologique, physique, voilà, vous avez retrouvé vraiment une guérison totale. Hein. Avec des chakras bien équilibrés, on me dit. Là, je ressens des énergies. Alors, pour les âmes éternelles, je ressens des énergies, beaucoup d'énergie d'action. Hein. Donc, c'est des masculins, des féminines qui sont dans l'action. Hein. Ce sont des actions de feu. Et donc principalement, donc là j'ai des signes, hein, donc ça peut être pour les Sagittaires, les Béliens et les Lions. Voilà. Vous êtes en action. Donc voilà, ça peut être des actions aussi pour la spiritualité ou voilà. De toute façon, vous avez pris conscience que voilà, vous avez guéri de vos blessures. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on pouvait apporter aux âmes éternelles pour voilà, cette fin d'année, début d'année, s'il vous plaît. Qu'a-t-on à dire aux âmes éternelles, s'il vous plaît. Ouais, vous êtes bien en union sacrée, hein, donc là on vous le dit bien, vous êtes en union sacrée, vous avez trouvé votre moitié. Donc là je ressens vraiment des couples fusionnels. Dans l'unicité, hein, qui sont vraiment soudés, hein, peu importe les événements qu'il y a eu. Et c'est comme si vous étiez jamais quittés, en fait. Hein.
Voilà, je ressens pas de. Voilà, il n'y a pas de. Vous avez aucun. Aucune colère l'un pour l'autre, rien du tout. Hein. Vous êtes. Regardez. Vous mettez vraiment vos mains, vous apposez vos mains comme si. Pas comme si c'était rien passé, mais. Voilà, vous êtes fusionnel, hein. Vous êtes en effet miroir. Voilà. Vous n'avez pas besoin de parler pour comprendre les choses. Hein. Et on parle de, voilà, pour ces masculins et ces féminines, hein, vous avez eu un réel déclic en vous, hein, ce déclic pour la spiritualité, pour comprendre les énergies tierces, pour comprendre pourquoi bah, vous aviez un manque de santé, qu'est-ce qu'il fallait guérir, quelles étaient les blessures à guérir. Hein, les guides vous ont poussé à toutes ces choses. Et là, voilà, ce déclic fait que ben, y a des lions, des béliers, des sagittaires qui sont vraiment en action de feu, hein, qui ont eu un réel déclic, une prise de conscience, hein, de voilà. Il y a pu y avoir des séparations, hein, on dit, et ça vous a aidé à prendre conscience de beaucoup de choses, hein. Vous avez eu des grosses illuminations, hein, comme si, voilà, il y a eu des énormes. Illumination, voilà, pour ces masculins et ces féminines. Oh. Ouais. On reparle que voilà, en cette fin d'année, début d'année, bah voilà, vous allez pour ces masculins et ces féminines, vu votre spiritualité, vu la conscientisation des énergies tierces, la santé qui va mieux, qu'il n'y a plus de blessures, ce gros déclic, une illumination totale. Que voilà, vous êtes dans une union sacrée, ça va vraiment vous apporter la floraison hein, pour cette fin et début d'année. Hein. Floraison, bah voilà, hein, intérieure, au plus profond de vous, au plus profond de vous. Hein. Et ça va, voilà, votre vie, enfin voilà, vous allez réavoir une très très bonne, une énergie de douceur, une énergie un petit peu de solaire, vous savez. Voilà, une énergie de floraison. Hein, quand un arbre fleurit, bah, c'est magnifique. Et dans votre vie, bah, là, ça repart au magnifique pour cette fin et début d'année. On vous dit bien que vous avez une attirance d'âme à âme. Hein, donc, voilà. En fait, vous êtes toujours. C'est pas une attirance physique. Hein, c'est vraiment une attirance. Ce besoin de voilà de se retrouver, de partager des moments, de discuter, de raconter un petit peu bah, les aléas, qu'est-ce qui se passe, voilà, parler de la pluie, du beau temps. Ouais, je ressens des. Voilà, là c'est un lien d'âme fluide, très fluide, mais avec une grosse attirance d'âme à âme. Hein. Je vous la mets ici. Vous voyez, comme deux aimants. C'est électromagnétique, on me dit. Électromagnétique. Voilà. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire pour les liens d'âme pour cette fin d'année, début d'année? Donc bien sûr, je ne sais plus si je l'ai dit. C'est du général, donc vous prenez que ce qui résonne au plus profond de vous. Ouais. Voilà, on parle de. Bon, pour certains, les énergies tierces, l'énergie ou les énergies tierces ont pu provoquer un certaines disputes, des certains règlements de compte. Mais on vous dit bien que les guides avaient voilà commandité les choses hein, pour pouvoir travailler vraiment sur les blessures qui étaient au fond de vous, qu'il fallait faire travailler. Mais là, voilà, on dit que c'est la fin, on dit que c'est la fin des disputes, des règlements de compte, que maintenant vous passez vraiment à la floraison. Ils vous font passer vraiment à la floraison. Hein. Parce que vous avez vraiment bien travaillé, vous avez guéri toutes vos blessures. Hein. Ouais, vous avez pris une prise de conscience, un déclic. Ouais. Ce sont des masculins et des féminines, voilà, hein, qui étaient en désaccord, qui ont pu être en dispute, en règlement de compte. Et cette ouverture au spirituel, hein, tous les messages que vous avez pu recevoir de vos guides, bah, voilà, ça aide énormément. Hein.
Allez, équipe de lumière, quel message avez-vous donné? Ouais, et vous aviez voilà des désaccords sur les relations passagères. Il y a pu y avoir des disputes et certains petits règlements de compte sur les relations passagères. On vous dit que voilà, vous avez tiré, vous n'avez pas toujours été d'accord sur le moment même, mais vous avez eu cette illumination, ce déclic pour comprendre que bah, en fait, c'était une leçon de vie une fois de plus et que c'était voilà, c'était pour vous faire grandir, vous faire progresser. Et voilà, et pour pouvoir avoir des transformations, des changements positifs dans votre vie, hein, dans vos vies. Autant pour le masculin et la féminine. Allez. Quel message avez-vous à donner aux personnes, aux âmes éternelles, à nos très chères âmes éternelles de ma chaîne? Je pense que vous êtes nombreux, nombreuses. Je ne sais pas s'il y a des hommes. Il doit y en avoir. Hein. Allez, quel message pouvez-vous donner pour cette fin d'année 2019, début janvier 2020, pour les âmes éternelles, s'il vous plaît? Qu'avez-vous à leur dire? Ouais, et voilà, on parle pour masculin, féminine, sacré, donc voilà. Là, vous êtes vraiment sur un nouveau départ, hein, ensemble. Ok. Donc voilà, fin janvier, fin décembre. Voilà, là, c'est dernier jour de décembre jusqu'à début janvier. On vous parle vraiment d'un nouveau départ pour vous. Les guides vous envoient à ce nouveau départ, hein, parce que vous avez compris que c'était rythmé, hein. Par, voilà, par le Tout-Puissant, par les anges gardiens. Donc voilà, hein, vous avez beaucoup, énormément appris, hein, de choses. Et la spiritualité, voilà, hein, va vous apprendre encore énormément plus de choses. Hein. Voilà, maintenant que vous êtes lancé, dans le spirituel. Voilà. Vous allez comprendre encore plus de choses. Allez, quel petit message peut-on donner aux âmes éternelles? Ouais, donc nouveau départ, hein. Voilà. C'est terminé les relations passagères, on me dit. Voilà. Vous avez pris une leçon de vie, hein, et que maintenant, ben voilà, on vous porte sur le nouveau départ. Ben, je suis heureuse de, voilà, de pouvoir vous donner ceci comme message, hein, c'est un très joli message. Je suis très heureuse, ben voilà, pour toutes les personnes qui se reconnaîtront. C'est un réel plaisir de vous donner ce message. Et on me dit qu'on va vous aider. Que voilà, que vous avez un lien d'amitié, c'est masculin et c'est féminin, sacré. Vous avez un réel lien d'amitié, un lien d'amitié très puissant, hein, entre vous. Et voilà, vous aimez aussi la famille, vous aimez les amis, vous aimez la famille. On me dit aussi que pour certaines personnes, on va vous aider à former une famille. Mais aussi, on peut voilà, me parler qu'on va. On va voilà, vous reconnecter. Ah, voilà, des familles d'âmes aussi, ça peut parler de familles d'âmes, hein, parce que vu que vous avez une attirance d'âme à âme, on va vous, voilà, vous envoyer vers vos familles d'âmes, hein. Et c'est pareil, on va vous envoyer, voilà, c'est des familles d'âmes qui peuvent devenir des amitiés, donc des amitiés assez puissantes, très puissantes même, où voilà, vous avez les mêmes loisirs, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes objectifs. Même connexion spirituelle. Voilà, vous voyez les choses dans le même sens. Hein. Allez, mes guides de lumière, quel message pouvez-vous me donner, s'il vous plaît? Ouais, regardez, vous êtes dans l'amour éternel infini.
de lumière, s'il vous plaît. Quel message avez-vous à donner pour toutes les âmes éternelles pour ce pour fin décembre, début janvier, s'il vous plaît. Quel message avez-vous à leur donner? Ouais. Alors pour les personnes voilà qui ont pas de bah voilà qui sont sans nouvelles bah du masculin de, enfin voilà des masculins sacrés, on vous parle vraiment de messages d'appel hein, vous allez recevoir voilà vous allez avoir des nouvelles hein. Là il y a des voilà il y a certains il y a des guides qui poussent à ces connexions de messages hein. Après voilà hein, vous allez discuter hein. Je vois beaucoup d'échanges. Ouais, et là on parle aussi que face à ces messages, vous allez masculin et féminine sacré, vous allez avoir des choix importants positifs hein, qui vont vraiment changer votre situation. Hein. Donc ça peut être situation bah, professionnelle, hein, selon les énergies tierces, professionnelle, situation sentimentale, situation familiale, situation amicale. Et voilà, ça vous emmène vraiment vers le succès et le bonheur. Un gros, gros bonheur. Voilà. Je vais demander s'il y a encore un dernier message. Avez-vous un dernier message à donner, s'il vous plaît? Avez-vous un dernier message à donner, s'il vous plaît? Donc voilà, voilà tous les petits messages que je pouvais vous apporter ce soir pour cette fin d'année, début janvier. Donc bah écoutez, moi je vous envoie plein de bonheur, plein de belles choses, plein d'énergie positive, tout mon amour. Et voilà, gardez bien la foi, voilà, tout est en train d'être, tout est en train de bouger, donc ne perdez pas la foi. Et voilà, tout arrive, bah voilà, quand les guides le décident, hein, et voilà, moi je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très très vite pour les nouvelles guidances. À bientôt!